J'ai testé 2 des 10 nouveaux putters Ping et voici le verdict. Allez, on les découvre, c'est 2 des 10 nouveaux putters Ping avec le maillet Tiny G, vous connaissez, avec le trou pour ramasser la balle, qui a été remis au goût du jour, qui a été modernisé, et modernisé également le Hanser. Et visuellement, quand on les pose, il y a un truc qui est génial, c'est le contraste de couleurs. Ça a été fait exprès entre le gris, le blanc et le noir, et ça se voit particulièrement sur 6 des 10 nouveaux putters qui ont les 3 couleurs, notamment là avec le Hanser. Vous voyez la top line ici, grise, ça fait vraiment ressortir cette top line, elle est vraiment mise en valeur et on sait vraiment comment on aligne le putter. Et donc c'est facile de viser avec les nouveaux putter Ping et ça c'est vraiment bien. Le gros point fort des putter Ping 2022-2023, c'est leur insert. Vous avez le choix de la face. Par exemple, sur les Hanser, vous avez une face en pur métal, et sur la plupart des maillets, vous avez cet insert en payback, ce qu'on a déjà vu sur la précédente gamme, c'est du composite. Résultat, vous avez 2 touchés, 2 types de touchés complètement différents. C'est plutôt souple avec un son très doux avec le payback. Et c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus type tour, beaucoup plus type bon joueur avec un retour d'information maximal avec cet insert en pur acier. Autre chose, vous avez 2 types d'usinage, un usinage en surface et un autre beaucoup plus fin, ce qui fait que ça donne également un autre type de toucher. Plus l'usinage est en surface et plus le toucher est ferme et vice versa. Qu'est-ce que ça donne au niveau performance d'avoir différents inserts? Je me suis demandé si ça sortait pas plus vite avec un insert en acier. Alors j'ai testé avec un launch monitor, le FlightScope Mevo Plus, qui est vraiment très chouette. Et je me suis rendu compte que j'avais exactement la même vitesse de balle et donc les mêmes, entre guillemets, longueurs de putt avec quel que soit l'insert que j'utilisais. J'ai testé à 2,50 m et à 6,50 m avec la même longueur de backswing et ça m'a donné exactement les mêmes vitesses selon mes tests et selon le FlightScope. Donc vous pouvez vraiment choisir l'insert qui vous convient en termes de feeling, ça va pas trop influer votre sortie de balle. Ping voulait améliorer la stabilité de ses putters et donc j'ai testé ça et c'est dur de chiffrer, de savoir si vraiment les putters ont plus de MOI. J'ai quand même trouvé que la lame, notamment tous les modèles lame de la nouvelle gamme, me semble un petit peu plus stable, un petit peu plus tolérant, et ça peut s'expliquer par l'ajout de tungstène ici et là. C'est un matériau très lourd, le tungstène, et théoriquement plus vous mettez de poids en talon et en pointe et moins ça va twister à l'impact si vous décentrez. Quant au maillet, ça a toujours été stable, quels que soient les modèles, quelles que soient les marques, il n'y a pas de souci. Notamment celui-là, le Tiny G, c'est une vraie petite machine à moins de 2 mètres, ça ne bouge pas. Vous prenez un grip inversé avec, c'est un vrai régal. Ping veut proposer des putters qui sont le plus adaptés à vous, quel que soit votre type de préférence. Et ça vaut aussi pour les grips, il y a 3 grips au choix. Et vous avez mon petit chouchou, le PP60, c'est un grip mid-size qui est également utilisé par Betty Nardi, qui est l'une des références, voire la référence des putters selon moi. C'est un grip qui est finement strié, donc de taille mid-size, comme je vous l'ai dit, qui tombe vraiment bien dans la main. Et vraiment, si vous voulez trouver le putter qui vous convient, prenez un peu plus de temps à choisir le bon grip. C'est vraiment capital en termes de feeling et en termes de confort, mais également en termes de technique. Si vous avez un grip trop gros ou trop fin, vous allez avoir du mal à avoir un stroke régulier. Petit détail cosmétique, les capuchons en simili-cuir, très classe, et surtout aimanté et fourré, ça c'est pour protéger les têtes, et c'est aussi le petit détail premium pour des putters qui coûtent quand même 350 € et qui sont déjà disponibles en commande.